Si c'était plus froid, ça allait être bon. On trouve ça boucle le lait caillé. Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, aujourd'hui on va aller manger des crêpes, les meilleures crêpes de la ville. De la ville. C'est un nouveau magasin qui vient d'ouvrir là. Bisous, on le voyait des fois là quand on passait devant. C'était d'abord en construction. Et là maintenant, on voyait le panneau. Le panneau. Et là maintenant c'est noir. Et là c'est devenu ouvert. Comment ça c'est fini? Là c'est ouvert. La construction. Là, on voit le... Ouais c'est fini. Là on voit le truc ouvert là, tu vois, ouvert et tout. Là j'allais voir sur internet le magasin et puis ils ont 5 étoiles frère. 5 étoiles. 5 étoiles. Il y a 19 avis, 5 étoiles. Plus jamais je viens ici. Maintenant j'aurai la gastro. Pourquoi je suis venu ici les frères? J'étais un peu rimé. Hey. Non, est-ce que tu penses que genre c'est le magasin qui demande aux gens? Soit c'est faux ou soit c'est vrai, on sait pas. Ben le magasin qui demande aux clients c'est genre hey, donnez-nous 5 étoiles, donnez-nous 5 étoiles. Mais c'est pas fake. Ben tu demandes. Ouais c'est ça, mais bon bref, on va manger, on va voir si c'est bon, on va voir comment c'est et voilà quoi, on va vous dire si c'est ouf ou pas. On prend la même chose ou on mange ensemble genre, on teste et on va prendre les milkshakes, je vais payer. Ok. Mais bon bref. Voilà les gars ce qu'on va faire aujourd'hui, likez, abonnez-vous, like, et abonne-toi. Et je vais essayer d'avoir un rabais. Et pardon. Non pour de vrai, je vais essayer d'avoir un rabais. Bon, allons-y. Non pour de vrai, on leur montre la chaîne, on leur montre les exercices. Mais non, allons-y. Les gars, on est arrivé là. Casse-toi frère. On est arrivé les gars, on va rentrer. Et là j'ai préparé ici la chaîne les gars. Genre je vais montrer pour avoir la bouffe. Peut-être gratuite là, genre, oh, on va parler du magasin et tout, ça va aider, non? Oh, non, c'est gênant. Non, en vrai, c'est gênant. J'ai vu les gars à la caisse, c'est gênant. Non, on fait pas ça. On paye full price. Full price? On paye full price. Mais ça, après, tu dis, oh, je peux vous faire quelque chose. Blablabla. On va goûter plus. Parce que, genre, c'est ça. On va passer tout le mulet à 400. À, ok, pas 400 balles, c'est genre 120 balles. Mais je comprends, oui, je comprends ce que tu dis, mais ouais, donc, ouais. D'abord, payons full price, crêpe, mais aux fraises. Lesquelles? Il y en a pas de crêpe aux fraises. C'est pour fraises, ok. Moi je prends un gaufre, c'est où? Gaufre, et tu rajoutes? Ouais, je prends gaufre et je vais rajouter fraises, gaufre aux fraises. Et on va prendre ça en partage. Ça c'est combien? Ah, il est là, 8 balles, on prend un. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je peux avoir un lèvre frappeux Oreo. C'est tout? Il dit il va payer. Moi je paye autre chose. Ouais. Non, pour ici. Est-ce qu'on peut avoir une crêpe sucrée mais au Nutella et à la fraise au lieu de la banane? Ouais. Et moi je vais prendre une peau avec de la fraise, c'est possible? Je crois qu'il n'y en a pas. Hein? Combien de temps? 20 minutes comme ça. 20 minutes? C'est bon? Alors, moi je dis une pauvre. On prend des petits bœufs. Putain, j'ai du seum là. Des pancakes? Mini pancakes, ok. Je vais prendre des mini pancakes. 10. Ça, le frappant. 10 balles. Bisous à payer, les frapper. Tu mets dans les commentaires, bravo, bisous. Là, il fait le boule, là. C'est ton fucking téléphone. Zéro. C'est pas une vraie équipe, hein. Une vraie équipe? Genre, 10-0, pas. Moi, t'as 10-0, je suis contre la France. Je suis contre l'équipe. Je suis contre la France. Ah. On attend la bouffe. C'est comment ta journée? Bien, hein. Cool? Ouais. 11-0. Bro, c'est 11-0, bro. On arrête le match. Genre, on arrête le match. C'est comme si au basket, c'est 120 à 10. 120 à 10. On arrête le match là, genre. C'est plus un match. Nous, on a déjà gagné par 100. Comme qui? Comme une équipe. Mon mini, genre. L'année passée. Et ils ont pas arrêté le match. Mais genre, à ce point, tu suis le coach basket, bro. Dis aux parents, venez prendre vos enfants. Cassez-vous. 100 à 0, okay, en fait, tu ne vas pas devenir coach. Hein? Si tu perds, tu ne vas, comme... vas pas vouloir continuer. Tu ne pourrais pas devenir coach. Comme ça, moi? Ouais. Je ne compte pas devenir coach. J'aurai une équipe. Si tu crées une team et tu emploies un coach, si la team perd de trop, tu vas supprimer la team. D'après ce que tu dis. Ouais. D'après ce que tu dis. Si tu coaches, je pense que genre, les parents vont porter plainte contre moi, tu vois. Parce que yo, moi, je suis tellement dur, bro. Yo, bro. Yo,
vous courez de 6h du matin à 9h, bro. Je m'en fous, bro. Ça fait des monstres, bro. Mais non. Je pense que mes équipes, bro. Pas comme ça, genre. Pas si ouf que ça. T'as dit ça. Pardon, c'est dit que si moi, je suis dans l'équipe de foot, là, ok? Je suis le coach de cette équipe de foot, là, et je perds comme ça, on arrête le match, je me casse. Je me casse. Exact. Vous avez gagné par 100. C'est pas ça. Mais comment tu sais que vous avez gagné par 100 alors que quand les cartes deviennent trop grands, ils arrêtent de mettre le point? Ah, ok, tu sais. Par 100. Et vous faisiez quoi? Vous vous amusez? 100 frères. Ouais. Ah, arrête. Les gars. Moi, je suis tout à fait. Non. Dis pas. Ils ont entendu. Ils ont pas entendu. Ok, donc. Mais non, c'est genre. C'est ils ont passée. Ils ont perdu par. Ils ont gagné par 100 contre mais, l'équipe numéro 4. Quand on était avec les secondaires 2. Et là, on a Et là, ils ont perdu par 60 contre l'équipe numéro 1. Ouais, quand on était juste Attends, une donc, genre, avec les secondaires 1. Donc, c'est genre une ligue différente, genre des... Non, c'était la même ligue, sauf qu'on était dans le pool C. Le plus bas. Non, le plus bas c'était H. En tout cas, vous avez perdu par 60. Okay, c'est bon. Oh. Vous avez rejoué contre eux ou pas? Non, je pense pas. Vous allez voir ça, frère. Si on rejoue contre eux, on les prend de faute. Je te dis, les prend. Par combien? 30. En fait, je sais pas, mais bon. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Moi, tu parles. 12-0. Ça, c'est 12-0. Bro, je crée une team. Mon coach perd par 12-0. Donc, au football, je suis plus, bro. Délique la team, bro. Délique la team. Kylian Mbappé. Les gars, vous ferez quoi si vous coachez une équipe et ils perdent 12-0? En plus, en direct. C'est en direct en plus. Contre Gibraltar. C'est lui qui fait. Un gars a marqué contre son camp. Kylian Mbappé a marqué 2 buts. Coman a marqué 2 buts. Les autres, ils ont marqué 1 but. Wow. Il a marqué contre son camp. C'est lui qui crie. Moi, j'arrête le match, bro. Je suis le coach, j'arrête le match. Arrêtons le match. Genre pour de vrai. Wesh. 12-0, bro. Ils font rien aux pratiques, bro. Ils pratiquent même pas. Non. Cette team, si tu crées une team de soccer, elle peut te battre par 20. Tu as créé une team de foot? Ouais. Comment ça, elle peut me battre par 20? C'est des joueurs professionnels. Ok, j'y balle barre là, ils sont pas pros. Ils sont pros. Ok, juste pourquoi tu dis qu'ils peuvent me battre par. Si j'ai créé une team. J'ai créé une team, bon, il y aura juste les meilleurs. Comme le Qatar. Je vais juste prendre les meilleurs. Oh. Ouais, c'est ça. Bon, pardon. Je peux juste créer les élites. Pardon. Je perds, bro. Elle est dans ma classe. Est-ce que je suis mine? Elle est dans ma classe. Est-ce que je suis mine? Nous, on a un travail d'équipe à faire. Est-ce que je... On est en équipe avec deux autres là. C'est avec elle qui t'a lié? Hein? Non. T'es allé où? Pas tes affaires. T'es allé faire des enfants, là. Oh! Donne-moi une minute, les gars. Hein? C'est quoi le nom de ce personnage là? Bou. Hein? Bou. Comment c'est? Comment tu connais? Comment tu connais? Tu regardes même pas Goku. Je le connais juste. Ah. Ok, continue. Oh, bisous. Aïe, ok, continue. Moi je dis rien. Regardez que c'est ma fin, hein. Tu m'as mordu, non?
Il m'a mordu, non? Ah, do nothing. Tu m'as fait des mordis pour ça. Arrête, tu m'as fait des mordis. Mon tour. Arrête. Mon tour. Arrête. Ah, la police est là, t'as la chance. Ça, je pense. Il voulait fraise, ouais. Ouais, Nutella, fraise et Nutella. Dites-vous, ils sont comment? 19 à 20. Tous ces 5 étoiles. Il n'y a aucun 4, aucun 3, tous ces 5. Toi, tu donnes la raison jusqu'à présent. 4,5. Si, on ne peut pas donner 4,5 en ligne. On peut juste donner. 4. Si le goût est bon, je monte. Tu montes directement. Ok, on va voir. Ah, arrête! Frappe plus fort, maman. Frappe plus fort. Sûr. Après, c'est mon tour, hein? Non, ok, c'est sûr. Mais, allez. Laisse faire. Ok, vas-y. Un coup, on va voir. Ah, t'as un peu mal, hein? J'ai senti. Gachi, my boy. Je l'ai senti. J'ai senti un peu. Ouais, à mon tour maintenant. Non? J'ai dit stop. Dans tes mains. Stop. C'est différent. Papier, c'est comme ça. Comme ça. C'est pas fort. C'est quoi? Et ciseaux, c'est ça. Ok. C'est plus fort. Ne fais pas ça à la maison, ne fais pas ça. Vas-y. Prends comme ton poste, pas si tu veux. Qu'est-ce que c'est là? Non, je range pas plus de normal. C'est le meilleur. J'ai dit juju. Oh, ils sont mal. Oh, t'as trop de gros ongles. Ouais, il faut qu'on coupe les tous les ongles là, les gars. Les ongles ont déjà poussé là. Putain. Il a plus, les gars, pour un ongle. Regarde tout ce qu'il fait pour un ongle. Non, t'es jamais. Oh, j'ai jamais vu ça. Pour un ongle, il a fait ça. Oh. Allez, la comédie, là. Je suis à 2-1. C'est quoi ça? T'as fait ça? T'as fait ça? Ils m'ont donné des fraises gâtées. C'est quoi? Pourquoi je ne dis pas fort? Les gars, il a dit que les fraises là, les fraises sont un peu gâtées. Il y en avait un peu qui s'était passé. Question d'abord le miché. On va laisser le miché d'abord? Ouais. Et vas-y. Ça, le miché, les gars, à l'Oreo. Ouais. Regardez ça. Vas-y. Attends. On va prendre en même temps. Mais tu prends d'abord, après moi je prends. Voilà mes mini pancakes, les gars, les 10 mini pancakes. J'espère que c'est bon. Ça coûte quoi, Bijon? Quel est ton avis? C'est bon. C'est bon? Super? Ouh! Un peu plus froid. Un peu plus froid? Ok. Goûte. Non, je vais goûter. Ça, c'est ta paille. Ça, c'est la mienne. Laisse-moi la faire. Si c'était plus froid, ça allait être bon. Par contre, ça goûte le lait taillé. Comment? Oui. Bon, moi je goûte ma trappe. Hein. Vas-y. C'est bon? C'est quoi, Bijon? Les crêpes de maman sont meilleures.
Il a dit les crêpes de maman sont meilleures. Il a mini pancake avec la fraise. Il était là. C'est juste que je m'habite, c'est. Le geste simple. Ce truc que j'aurais aimé, c'est que ça soit chaud. C'est pas chaud. En fait, c'est pré les. C'est pas chaud déjà. Essentiel, comme GPL, environ 50% recherche de l'essence, découvrez l'Asia sans dérouler Cogé, une carburation essentielle, 4 ans d'entretien inclus, et toujours avec l'Asia. Hein? Il a dit qu'il a mis les cheveux. T'aimes pas? Non. Les gars, pourquoi je chuchote quand je parle derrière la base, quand tu me regardes quand on donne un parvis là, tu vois? Vraiment non. Les fraises sont toutes. Ça goûte les aisselles. C'est pas la vie. Les fraises goûtent les aisselles. Non, t'abuses. Les fraises goûtent les aisselles. Non, je veux pas. J'ai jamais fraises. On a vraiment beaucoup de respect. Ouais. Viens là. On la met là à la maison. Ouais. Si tu veux. Et finalement, c'est vraiment bon. Ça, c'est dingue. Genre, il y a un truc. Je ne sais pas qu'il y a quoi, mais il y a un truc. J'ai l'impression de goûter le écaille. C'est ça, c'est scam. C'est de la sortie. Non. Bon, c'est le Oreo. C'est le Oreo, ça. J'ai l'impression de sentir le caillou. C'est pas une photo, on va mettre dans le chien. Non, on donne pas d'avis. On donne pas d'avis sur le film. Tu veux goûter? J'ai goûté tes pancakes. On va voir si Bibi exagère, ok? C'est trop dur, trop squeeze. Quoi de ouais. C'est genre. Renfermé, genre. Quand je le mange, c'est genre. C'est bon, je suis fermé, c'est ça. C'est pas genre. Moi, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, c'est genre. En fait, c'est dur, là, c'est genre. C'est dur. Vous êtes quoi? Ils ont juste ça en même. Non. Moi, sur Instagram, là, des trucs en aile, là. Les gens, ils mettent des choses dans leurs yeux, là. On va goûter. Vous voulez connaître la valeur de bonjour, ok? Ils sont pas les 16. Ils sont pas les 16. Goûte ça. Ça goûte pas bijou? C'est sûr. Ça goûte? Ouais, je confirme. T'arrêtes. T'as fini, casse-toi. Allez, laisse-moi aller dans la voiture. Tu veux pas venir? Je te donne mon bouffé. Tu me donnes 5$. J'ai pas payé 10$ pour le. Bon, on y va. Ouais, les gars. On se casse. Tu rejoins la voiture? Attends, je leur demande ou pas pour la. Je vais demander, vas-y. Vas-y. On rentre dans la voiture pour ta loot. Hein? Tu vois, ils ont fait? Il s'est cassé. Les gars, je m'apprête à sortir là. Là, ça fait à peu près 5 minutes que je suis encore à l'intérieur, les bijoux sont sortis. Ce que je vais faire, je vais aller remettre les affaires et on se casse.
Mais j'ai l'impression de gaspiller ça si je ne finis pas, frère. Le buffet. Ça a quand même coûté 10 balles. Ah, les gens en train de m'appeler. Toi, tu m'appelles depuis? Je me suis vraiment fait scammer, $10. S'il vous plaît, si vous voulez pas faire $10, redonnez-moi mes $10. $10, 24 balles, donc comme toi, $24. Je dépense trop, putain. Et, attends, j'ai pas eu le courage. Ok, mais ensuite, un petit buffet comme ça, ça coûte $10. Tu faisais pas genre. Regarde la crème, tu faisais pas genre. $13, les frais sont périmés. Putain. Tu faisais pas genre. T'as vu bien l'équipe depuis le début. C'est plus des 5 étoiles, c'est des 5 carrés. C'est pas des étoiles, c'est des demi-étoiles. Des demi-étoiles. Putain, pourquoi? Je viens de perdre $10. Je viens de perdre $10. Je viens de perdre $10. Putain, j'ai perdu $10. Plus jamais je viens ici. Maintenant j'aurai la gastro. Pourquoi je suis venu ici? Les phrases étaient un peu rimées. Ils sont allés en Inde juste avant pour refaire leurs fraises. Ils ont mis dans leur SL, putain, pourquoi je suis venu ici? J'ai dépensé $10 pour un milkshake caillé. $25. T'as dépensé $25. Mais tes mini pancakes c'était nice. Ça va. J'ai perdu $10. J'ai perdu $10. Enfin, c'est fini là? Merci pour le concert de 2 minutes là. C'est bon. J'ai perdu. C'est bon. Donc là, les gars, vous ne pouvez pas connaître le magasin. Nous, tu l'as dit une fois dans la vidéo. Bah, tu vas couper. Tu l'as dit une fois. Pour pas 10. Quelle est ta note finale après avoir vu les 5 étoiles sur leur site? En plus, bizarrement, ils ne m'ont pas demandé. Donc. Je donne un 2. Je sais pas, mais bon, bref. Je donne un 2. 2. 2 sur 10 2 sur 5. Si on pouvait donner 2,5, j'allais donner 2,5. 2,5. En tout cas, pourquoi le 2? Ça passe pas un examen, genre 55%. Pourquoi le 2? Ah! Attente! J'ai cru que ça allait être nice. Hé! Hey, t'as dit non! T'as dit que c'est normal! C'est pas grave, c'est ça! Ça, j'ai juste déposé 4. Uh-huh. Si c'était bon, j'allais monter la note. Uh-huh. Donc 4 pour l'attente. 2! Dans mon plat, il y a des fraises pourries. Moins 1, ça fait 4. Toi, tu veux quoi? Des fraises clean? Ma crêpe était élastique. Je pense que ça a été fait hier, ils l'ont mis dans le micro-ondes. Ça fait 3. Ça c'est vrai. C'est pas mon. 4! Les fraises goûtaient, les aisselles et il y avait un cheveu dans mon plat. Moins 1, ça fait 2. 2,5. Plus le milkshake qui était un peu bon au début, là ça a descendu, donc 2,5. Attends, comment ça me dire que tu trouvais le milkshake bon au début, et tout d'un coup, oh, t'aimes plus? Je pense que c'est à cause de toi en plus. Vas-y, t'as dit ça goûte les aisselles. Moi, de. J'ai dit ça goûtait le lait caillé. Et moi, dès que j'ai vu, j'ai senti le lait caillé. C'est pas un étudiant ou pas les milkshakes? Oui, moi, je sentais, genre, pas le lait caillé, c'était les Oreos. Les Oreos en graines. Ok, mais pourquoi t'as dit ça à cause de moi? Parce que maintenant, j'ai dit, même si j'ai du lait caillé, tant, imagine. Ok. Mais Lucky, pour un début, ça passe. De quoi? Pour un début, les restaurants, ça passe. Ouais, ça passe. En vrai, c'est bon. Juste, ils doivent laver les fraises. Ils doivent faire des bonnes pâtes parce que là ça goûtait. En plus, je sais pas, c'était froid. Comme ça, normalement, ça vient d'être fait. Non, c'est chaud. Moi, c'est les béquilles qui étaient froids. C'est pour ça. J'ai trouvé ça bizarre. C'est censé être chaud, croustillant et tout là, mais c'était froid. Pour un début, c'est bon. Ouais. C'est pour ça. Tu veux qu'on aille donner une étoile ou des étoiles ou non? Je suis non, non. Non, c'est vrai, je veux pas d'étoile, rien. Partage la vie.
les secondes. Et comment ton restaurant C'est ce que j'allais dire. Préféré. Ouais, un bon restaurant et de crêpes. Et nous où aller manger des desserts. Et après, on va aller si vous le voulez. Mais là, like, abonne-toi. Et peace pour nous. Traduction en français.